qui continue de tomber sur Pierre Fabre. Et les Castrés, avec Benjamin Urdapileta, à nouveau titulaire aujourd'hui, vont donner le coup d'envoi. La suite de la 23e journée du top 14, le dénouement approche à grands pas. Et les Castrés peuvent se maintenir ce soir, faire un pas définitif en vue du maintien. Premier ballon pour Ungpatin sur la ligne des 22 mètres. Arata, Staniforce. Ballon mis au sol. Et ballon récupéré par les Toulonnais avec Dani Priso à l'intérieur de ses 22 mètres alors qu'un joueur castré s'est assommé. Il me semble que c'est Gaëtan Barlow qui est resté au sol. Le talonneur international. Et il va falloir agir là sur Gaëtan Barlow, messieurs. Et le pied de Dan Bigard, titulaire à l'ouverture. Le demi d'ouverture gallois. Nakossi qui a récupéré ce ballon. On est toujours en train de s'affairer autour de Gaëtan Barlow. Le ballon toujours pour les castrés. Alors que Duprez, c'est à son tour, fait mal. Arata qui essaye de s'infiltrer auprès. On a deux joueurs hors circuit pour l'instant dans ce début de match. Barlow côté castré et Duprez. Et peut-être des espaces pour les Toulonnais. Le premier coup de sifflet de M. Gasnier. On a vu que Mathieu s'est tapé fort d'entrée. Philippe ? Ouais, le changement sera définitif, hein.
Ouais, puis en plus, là, je viens de voir le médecin du match qui a dit qu'il ressentait des petits picotements dans les membres. Donc, zéro risque. Enfin, un petit fourmillement, quoi, voilà. Et les premiers points signés du Castres Olympique et signés surtout Benjaminour da Pileta. 2 minutes de jeu, des nouvelles de Gaëtan Barlow qui vient d'être évacué sur civière. Sa sortie est bien sûr définitive, il est remplacé par le jeune Brice Humbert. Ça fait 3-0 pour le CO et le petit signe qui rassure la famille, les amis, les proches de la part de Gaëtan Barlow. Philippe, t'as vu que c'était le seul talonneur qu'il y avait sur la feuille de match. Ça veut dire que s'il arrive quoi que ce soit à Brice Humbert, souci. Ah pardon, caché Tichit, ouais. Excuse-moi, désolé. Avec un premier ballon à négocier pour les Toulonnais à l'intérieur des 22 mètres castrés. Mais c'est un ballon perdu avec un en avant et le long coup de pied de Julien Dumora qui fait reculer l'équipe toulonnaise avec Facundo Issa qui remonte ce ballon. Allez, en percussion, Facundo Issa qui a franchi, qui revient dans les 40 mètres castrés. Énorme avancée du troisième ligne argentin pour Dani Priso maintenant. Et à nouveau, les Toulonnais à l'abordage de la ligne d'en but des castrés avec Dumora, obligé de se dégager avec la défense et la pression de Veissia, mais ce ballon qui ne sort pas de l'aire de jeu. Bigard avec Thomas Sall pour Issa. Toulonnais qui essaye de se structurer, il y a du monde là-bas sur l'extérieur, pourquoi pas le surnombre avec Payoa pour Cornel Duprez. Sur un Gigashvili qui résiste au plaquage de Staniforce. Et Luc, à son tour, est tombé dans les grosses paluches du deuxième ligne australien. Mais le ballon est toujours
en faveur des Toulonnais. Bigard, la chandelle de l'international gallois, elle est profonde. Arata devant ses 22 mètres qui peut servir du moral et pourquoi pas le contre. Avec Nakosi maintenant qui essaye de déborder Coulon. La vitesse de Nakosi. Dumora à l'intérieur qui va être servi et l'essai de 80 mètres de Julien Dumora. Le premier essai du match. Et quel essai de la part des Castrés. On a vu des Toulonnais, Mathieu, dans un premier temps à l'initiative. Et le contre, vitesse grand V avec Nakosi à la conclusion, le capitaine Julien Dumora. Philippe, t'as vu Oum Patin qui sort? Non. Il y a eu un changement. Ouais. Non. C'est Aurélien Hazard qui est rentré. Chila Chava, il s'est blessé à l'échauffement. À la fin de l'échauffement. Voilà. Personne ne nous l'avait dit. On vient de le voir à l'instant. Ça, c'est... Donc Chila Chava n'est plus sur le terrain, sur la feuille de match. Le 23, c'est Aurélien Hazard. A priori, pour Chila Chava, voilà, il s'est ressenti de douleur au dos et ça tire un peu aussi au niveau des adducteurs. Donc, tu vois, il pense que peut-être qu'il a bougé au niveau du bassin. Enfin bref, ils n'ont pas pris de risque. Thank you.
Je ne sais pas si c'est cheville ou peut-être tendon d'Achille. Je vais me renseigner. Le quart d'heure de jeu ici à Pierre Fabre est 8-0 en faveur des Castrés. L'essai inscrit par Julien Dumorat n'a pas été transformé par Benjamin Urdapilleta. Donc 8-0 et un nouveau coup dur avec la sortie de Wilfried Unpaktin, touché à la cheville droite et remplacé par Aurélien Hazard. Deux changements en première ligne en moins d'un quart d'heure du côté de Castres. Il va falloir se réorganiser et pour l'instant c'est le cas. Et du côté des Toulonnais, eh bien, on est parfois à l'initiative, on est près des zones de marque, mais on commet des en avant, on rend le ballon à l'adversaire et on ne concrétise pas les temps forts du côté de Toulon. Pourtant, le match est très équilibré entre ces deux équipes. Dumour à l'intérieur de ses 22 mètres, qui trouve la touche, peut-être rapidement joué par Thomas Salle. Ce sera un lancer en faveur des Toulonnais et de Teddy Bobigny. Alors Mathieu, était-il dehors ou pas? Oui, le pied est sur la ligne de la part de Julien Dumois. Et la ligne, c'est les 22 mètres. Et on monte très vite, hein, à l'image de Boutitou sur le porteur. Et du coup, la défense castraise est bien replacée. Elle monte vite aussi. Ici sur Gigashvili. Et les Toulonnais ont de la puissance. Et on revient dans le fermé. Ah non, finalement, c'est le jeu au pied de Bigard. La pression d'Emeric Lux sur Julien Dumorat. Mais le capitaine Tarnet est toujours aussi impeccable, propre dans ses duels à haute altitude. Il a trouvé Palis maintenant. Le relais de Nakarawa. Et ça peut enchaîner. Avec Hazard justement, le nouvel entrant au poste de pilier droit. Et ça gratte du côté de Serein. Stani force le jeu dans le dos. Oh, la passe au pied pour Ardron, au Botitou, pour Nakosi qui tape directement en touche. Il peut y avoir des... Il y a quand même quelques espaces que peuvent se créer les Castrés avec ce jeu rapide. Et troisième pénalité contre les Toulonnais. On va prendre les points du côté de Julien Dumorat avec Benjamin Urdapilleta qui a posé son tee. 8-0, 18 minutes de jeu des Toulonnais pour l'instant assez maladroit et un petit peu indiscipliné. Jérémy Davidson qui donne de la voix et la pluie qui continue de tomber. Deuxième tentative. Troisième tentative pour Urdapilleta. Le pied gauche du Pouma qui passe entre les poteaux. Et Castres qui se détache dans ce match 11-0. Come on, come on.
Ils n'ont jamais été aussi proches de la ligne Castres. Les hommes de Pierre Mignoni et de Franck Azéma avec Serin qui écarte ce ballon pour Bigard et Thomas Sall qui est plaqué à moins de 10 mètres. Toujours la possession en faveur des Toulonnais avec Son Rebadj. La percussion du deuxième ligne toulonnais. Elle a une USC qui insiste au près. La défense Castres en place sur les starting blocks. On ne se consomme pas énormément dans les rucks. Ça va se décider en travant probablement puisque Toulon a décidé d'insister avec ses avants et la puissance de ses avants, notamment celle de Dany Priso. Le ballon demandé par Baptiste Serin, le capitaine, le ballon qui est sorti avec Payoa. Regardez ce jeu de trois quarts avec de la vitesse, mais Botitou est venu interrompre et casser cette action. Rebadj cherche une solution, Son Rebadj, il n'en a pas, donc il passe par le sol et le bon grattage des Castres. Le ballon leur sera-t-il rendu? Non, il y avait un avantage avant, une pénalité contre Castres, la troisième. Alors Mathieu, on a vu qu'on était dans une période de domination de la part des Toulonnais qui précédemment, après une grosse mêlée, avaient obtenu une pénalité. Ils ont choisi d'aller en touche. Le choix de Pierre Mignoni et de ses hommes, on va insister peut-être avec une mêlée. La précédente a été vraiment dominatrice de la part des avants. Ils vont prendre mêlée, les Toulonnais. Oui, c'est un choix fort, c'est un choix dicté par la forme du moment. C'est vrai que la mêlée toulonnaise est très efficace en ce moment et elle le prouve avec ce ballon sorti par Issa, chassé par Arata. Mais à l'avancée, encore une fois, il devrait y avoir une pénalité encore pour les Toulonnais, même si les Castres ont gratté ce ballon et vont s'en sortir miraculeusement. Encore une fois, l'illustration des imprécisions toulonnaises dans ce début de match. Alors M. Gasnier n'a pas sifflé pénalité, pourtant l'avancée était très nette, le ballon a été sorti et donc les Castres peuvent se dégager. Pas pour très longtemps puisqu'Emery Gluck a réceptionné ce coup de pied. Et nouvelle pénalité contre Toulon, contre Castres, pardon.
blessé. Il n'a pas blessé, c'est bien, il est blessé. Thank you.
Baptiste, vous avez bien entamé cette première mi-temps, mais il va falloir rester vigilant jusqu'au bout. Ouais, on donne beaucoup de points à cause de notre indiscipline. Hein. Il faut qu'on arrive à acheter chez eux et à pas donner de fautes pour qu'ils reviennent à notre camp pour marquer des points. Merci. On va enchaîner aux côtés de Teddy Bobigny. Teddy, il y a eu un petit peu de retard à l'allumage hein, cette première mi-temps, mais là, vous avez remis la main sur le ballon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour essayer de concrétiser vos actions? Effectivement, on a un petit peu de mal au début. Je crois qu'on a réussi à se rassurer un petit peu sur la conquête, sur les choses simples. Donc il faut qu'on a réussi ça, à continuer à garder un petit peu le ballon, enchaîner les temps de jeu parce qu'on perd trop vite le ballon. Là, on se satisfait des 3 points par 3 points, mais on pourrait être plus en rallye si on garde le ballon. Merci.
formation, aucun changement à la mi-temps, que ce soit du côté du Castres Olympique ou du côté du Rugby Club de Toulouse. Oui, exactement. Il manquerait plus qu'un ou deux points pour les Castrés. 11 à 9. Deux points d'écart seulement à la faveur des Castrés. Castrés qui est devant, mais Toulon qui est au contact grâce à l'indiscipline des Castrés en fin de première période. Trois pénalités au total. Deux de Bigard, une longue distance de Thomas Salon. Permis aux Toulonnais eh bien, de rester dans le match au contact de cette équipe de Castres et des difficultés d'un côté comme de l'autre à se faire des passes avec un terrain et un ballon très glissant. Mais là, Arata essaie de s'infiltrer avec de la porte pour Roda Pileta. Quelle stratégie vont employer les deux équipes dans cette deuxième période. Il me semble que les Castrés vont bénéficier d'un léger vent dans le dos. On a vu en tout début de match, messieurs, la sortie de Gaëtan Barlow, KO. Alors, des informations, il a été élitroyé, il est parti du côté de Toulouse en hélicoptère pour passer de plus amples examens, Gaëtan Barlow. Et la mêlée castraise a connu des difficultés puisque Oumpatin est sorti, remplacé par le jeune Hazard, qui lui-même avait remplacé Sheila Chava lors de l'échauffement. Donc, ça veut dire que la mêlée castraise, eh bien, elle va devoir tenir encore 40 minutes avec les mêmes joueurs. Quasiment, il ne restera plus qu'Antoine Tichit. Il ne reste plus qu'Antoine Tichit sur le banc. Importante cette pénalité pour l'Argentin qui reste sur deux échecs consécutifs, 2 sur 4 dans ses tentatives. À la hauteur des 40 mètres, quasiment face au poteau. Cette fois-ci, ça va rentrer. Et 3 points de plus pour le Castres Olympique qui mène 14 à 9 après 46 minutes. Thank you.
C'est le deuxième pour les Castrés et il est signé de Botitou sur un ballon intercepté par le centre fidjien qui a fait la différence et d'un crochet qui a dû faire très très mal à l'amour propre de Dan Bigard. Il est allé aplatir le deuxième essai. On va regarder ce ballon de récupération de la part des Castrés avec Issa qui est intercepté et le crochet intérieur. Bigard ne pourra rien faire pour reprendre Botitou qui va inscrire le deuxième essai. Les Castrés se détachent en ce début de deuxième période. 19 à 9 en attendant la transformation. Point d'avance en attendant la transformation, début de match et début de deuxième période compliqué pour les hommes de Franck Azéma et de Pierre Mignoni, alors que le public de Pierre Fabre donne de la voix. Ça ressemble à un écart du maintien. Là pour l'instant ils font l'écart avec Toulon, ils font peut-être l'écart définitif avec les brivistes. La transformation qui passe, ça fait 21 à 9.
22-3, ouais. C'est ça. Huit pénalités, un coup franc contre les Castrés, plus mauvaise équipe de cette saison de top 14. Et du coup, bien les Toulonnais sont maintenus à flot par la précision de leur buteur, 100% au pied, 2 sur 2 pour Thomas Sall, 2 sur 2 pour Dan Bigard. Et d'ailleurs, le Gallois qui va tenter cette nouvelle pénalité face au poteau pour amener le score à 21-15, 6 points d'écart peut-être pour les Toulonnais qui font tourner avec... les sorties de Bobigny, de Gigashvili. J'aperçois Deveau et Brooks rentrer. Allez, Dan Bigard face au poteau. Pas de problème pour l'ancien joueur de Northampton. 21-15. Attention, attention, les Castrés. Très indisciplinés. Alors, les Toulonnais en profitent tout simplement. Sans se montrer géniaux dans le jeu, eh bien, cette efficacité au pied leur permet de rester dans le match. Alors de 6 points, hein. 6 points vous me direz c'est pas grand chose, mais l'impression générale c'est moins fringant que ces dernières semaines du côté de Toulon, mais tout reste à faire dans ce match. On a vu que la Mélécastres, je le disais tout à l'heure à l'entame de cette deuxième période, allait forcément souffrir à un moment donné puisque les rotations sont désormais impossibles. Alors dans quel secteur vont insister les Toulonnais, on va le voir. Pour l'instant ce sont les Castrés qui essayent de mettre la main sur le ballon et qui sont dans le camp des Toulonnais avec Arata pour Nakossi, ce ballon qui circule dans le camp, ballon perdu par Nakossi, c'est récupéré par les Toulonnais, ce sera une mêlée en faveur du RCT sur cet en avant de Nakossi. Oui, la stratégie, Mathieu, j'en parlais parce que c'est vrai qu'on a vu en première mi-temps une très très belle mêlée de Toulon.
Ah oui. La chic. Et la 11e pénalité contre les Castrés avec un coup franc supplémentaire. Et Dan Bigard qui peut ramener son équipe à trois petites longueurs. Ils sont à 100% les buteurs toulonnais. Et on a franchi l'heure de jeu. Ça passe pour Bigard, 21 à 18. Toulon et Jean-Baptiste Gros, tiens, qui est 24e homme aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il s'apprête à revenir à la compétition. Lui qui a été opéré du radius en octobre dernier, blessé justement lors du match aller face à Castres. Et sur les 10 dernières confrontations ici à Pierre Fabre, eh bien Toulon ne s'est imposé qu'une seule fois. C'était en mai 2019.
et ils sont encore derrière au score. Donc, moins 3, mais ça se rapproche. Oui, ça fait 24 à 18 pour les castrés et suspicion de coup de tête de la part d'Alagaou sur Stanifor sur cette action. C'est ce qu'on est en train de regarder à la vidéo. Déblayage à la tête. Mathieu, votre sentiment?
Mathias Alagaou. Donc discussion s'il s'agit de la tête ou, ou d'autre chose de la part de M. Berdos qui est à la vidéo. Et ça peut avoir ses, ses conséquences. Il reste un quart d'heure, un gros quart d'heure. Carton rouge pour Mathias Alagaou, le jeune deuxième ligne qui va à peine rentrer, céder sa place. Même pas céder sa place, sortir, être exclu. Il va s'excuser sportivement, Mathias Alagaou, conscient probablement d'avoir fait une grosse boulette. Il s'excuse aussi auprès de ses partenaires. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Et il s'en veut, il le sait. Mais ce sont aussi des images, vous l'avez dit Mathieu, qu'on ne souhaite pas voir sur les terrains de rugby, qui n'ont rien à y faire. Et Toulon se retrouve à 14 contre 15, mené de 6 points, 24 à 18 et 15 minutes à jouer en infériorité numérique. Thank you.
avec en plus de ça le bonus offensif pour ce troisième essai signé Raisuke. Encore une fois, l'action est partie depuis les 40 mètres castrés avec, regardez cette petite passe magistrale de la part d'Urda Pileta pour Kokadji. Et derrière, ça va très vite. Il y a le relais de Séguré. Un temps de jeu avec un passage par le sol. Et qui est replacé là-bas sur son aile, comme la semaine dernière à Montpellier. C'est Raisuke qui va aplatir le troisième essai. La magnifique place d'Ardron. Et Raisuke qui résiste au plaquage de Bigard pour inscrire le troisième essai. Son cinquième cette saison. Les castrés se détachent à 15 contre 14. Et à 10 minutes de la fin, ça fait plus 11. Et en plus de ça, Urda Pileta règle la mire, 2 points de plus, 31 à 18. Oui, puisqu'ils ont choisi d'aller jouer en touche avec une nouvelle pénalité contre les Toulonnais, la huitième de cette rencontre contre les hommes du duo Mignoni-Azema qui vit ses derniers instants. Hein. On le rappelle, Franck Azema a répondu aux sirènes de l'USAP. Il va rentrer à la maison à l'issue de cette saison et son équipe, pour l'instant, est passée au travers de sa deuxième période, même s'ils ont fait illusion sur les pénalités castraises. Ils n'ont rien produit de propre. Rien de produit à eux, les Toulonnais, pour se montrer dangereux dans le camp castré. Alors que Baptiste Serin vient de céder sa place et que le lancer est à venir pour Brice Humbert et les castrés à nouveau. La menace castraise, on le rappelle, à 15 contre 14 dans les 22 mètres toulonnais. Brice Humbert rentré dès la deuxième minute après le chaos de Gaëtan Barlow. Fond d'alignement. La prise de balle de Baptiste Kopp. Le ballon relevé par Hasard. Et on va revenir à la pénalité contre les Toulonnais. Peut-être vont-ils prendre les points pour sécuriser leur avance. Le choix de Jérémy Davidson et de David Darry-Carrère. Et on va retourner en touche. C'est un des secteurs qui fonctionne du côté de Castres par rapport à la mêlée.
Oui, parce qu'une victoire bonifiée, bien sûr, ce serait un pas supplémentaire vers le maintien qui est quand même très bien engagé pour les Castrés finalistes. Malheureux la saison dernière, qui ont connu une saison compliquée, mais qui finissent fort avec l'essai accordé à Reino Peters, qui est rentré. Non, pénalité, pas d'essai. Je m'enflamme, mais pas du tout. Sursaut, sursis plutôt pour les Toulonnais. Attention, ce ballon qui ne sort pas. Bigard qui ne trouve pas la touche. Et ballon de relance pour Geoffrey Palisse avec le soutien d'Humbert. Nouvelle pénalité sifflée.
Geoffrey, c'est le coup parfait ce soir. Ouais, c'est bien, ouais. Avec des conditions un petit peu merdiques, on a réussi à mettre les choses dans l'ordre, à revenir en deuxième mi-temps avec cette interception qui nous fait beaucoup de bien. Et derrière, ouais, on a pas décroché et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas été facile, mais au final, bon, on prend 5 points et on est vraiment content. Le paradoxe, vous avez galéré un petit peu toute la saison et finalement aujourd'hui, à ce stade-là, on pourrait presque penser que vous regardez un peu plus vers la qualification, vers la 6e place, plutôt que derrière vous, vous n'êtes plus qu'à 7 points de la 6e place. Ouais, déjà on a moins sa crotte au cul déjà sur. Je pense pas que le maintien soit acquis, mais déjà on souffle un peu. On joue pas le week-end prochain, on va pouvoir régénérer un petit peu et rien n'est fini. Maintenant il faut qu'on voilà, on s'envoie, qu'on prenne du plaisir comme aujourd'hui, même avec des conditions moyennes. Et qu'on reste castre même devant notre public, on est fiers, on est contents. Merci. On va enchaîner aux côtés de Baptiste Serin. Baptiste, forcément, c'est la déception ce soir, au vu du scénario du match. Voilà, on fait un petit non-match, je dirais, beaucoup d'erreurs. On revient dans le match, on refait des erreurs, on a une touche pour nous là-bas, on se trompe dans notre annonce, on prend un essai derrière. Voilà, une interception, que des petits coups de tonnerre quoi, qui nous sont tombés dessus pendant le match. Voilà, je pense qu'on se l'est bien cherché. Peut-être que ça va avoir le don de nous remettre un peu la tête à l'endroit aussi, mais voilà, je pense que Castres mérite amplement sa victoire ce soir. C'est dommage parce qu'on aurait aimé continuer sur notre dynamique et les supporters étaient là encore, donc c'est dommage, c'est frustrant. Tu parlais justement de cette dynamique avec justement ce grand rendez-vous la semaine prochaine, cette demi-finale de Challenge Cup. Alors certes, l'histoire des matchs sont toutes différentes, mais est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant ce scénario ce soir, notamment dans la maîtrise en vue de cette demi-finale? Non, je pense pas. Je pense que voilà, ce match, il entache en rien la dynamique qui était la nôtre depuis un moment. Voilà, il faut qu'on reste... serein un peu et confiant sur nos bases, sur ce qui est notre rugby depuis un moment. C'est sûr que ce soir on est tombé contre une équipe qui en voulait plus que nous, tout simplement. C'est regrettable, l'expliquer là à chaud c'est dur, mais c'est vrai qu'on n'a jamais trouvé cette avancée qui était la nôtre depuis des matchs où on arrivait à développer notre jeu, à avancer sur les premières cellules après le 9 notamment. Et là c'est vrai qu'on s'est fait... On s'est fait battre sur ça, donc voilà, ça va nous remettre un peu la tête à l'endroit, mais on sera prêt pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, clairement, voilà, les conditions climatiques, vous n'avez pas pu exprimer votre potentiel offensif. Ouais, mais ça c'est pour tout le monde pareil. Hein. Je pense qu'ils nous ont mis une leçon un peu dans la combativité, mais aussi sur le rugby. Donc voilà, je pense que tout le monde parle de Castres en disant que c'est une équipe besogneuse et tout. Oui, certes, mais par contre, je pense que c'est une équipe qui sait très bien jouer au ballon. Je pense qu'elle l'a montré ce soir aussi avec les essais qu'elle a marqués. Donc voilà, nous, si on doit parler de nous, il faut qu'on se remette en question cette semaine. Mais voilà.